Oh yeah, l'incroyable histoire du roi Hugo III, couvert de gloire. Tous le respectaient. Certains même le craignaient. Et tous, oui, excepté un dragon sans pitié. Dragon, sors de ton cou, on va te retirer au barbecue. Oui, on va t'embrocher de la tête aux pieds. Dragon, reviens ici, on te fera cuire des oignons. C'est ce qu'on fait au pays de patates et dragons. Oh, j'ai cherché partout. Aucune trace de lui. Je suis sûre qu'il s'est enfui très loin. C'est ma faute, j'aurais jamais dû le traiter de clown. Arrêtez de vous faire du mouron pour lui. Il va revenir. Et puis, dit bouffon, on en trouve 20 à la douzaine de nos jours. Votre Majesté, un nouveau chevalier sur son fier destrier. De l'acier trempé. Mais quelle idée de me déguiser en chevalier inox pour impressionner Mélodine. Non, mais à quoi j'ai pensé? Vous l'avez travaillé, votre numéro de clown, ou vous êtes né comme ça? J'ai justement besoin d'un nouveau bouffon, vous tombez bien. Chevalier Inox, à votre service. Je suis venu remplir ma mission, terrasser votre dragon, pour tester l'indestructibilité de ma nouvelle armure. Il n'est peut-être pas très habile, mais il a l'air très courageux. Oui, mais faudrait peut-être pas oublier Riri. Il va d'abord falloir me donner la preuve que vous savez vous battre. Désolé la conserve, mais on dirait bien que j'ai gagné et que toi t'as perdu. Hourra! Ce fut un honneur, princesse. Chevalier Binocle, je vous donne l'autorisation d'aller terrasser mon dragon. Mélodine, je crois qu'il est beaucoup plus important qu'on aille chercher Riri. C'est incroyable! J'ai l'impression qu'il a disparu! Mélodine, regarde! Un morceau de tissu! C'est un morceau de son bonnet! Le chevalier Inox est à la porte du château. Mais il est en train de combattre le dragon. Ou alors peut-être qu'il existe deux chevaliers innominables. Majesté, je suis le seul chevalier inoxydable sur cette terre. Et je suis venu remplir ma mission, terrasser votre dragon. L'autre chevalier m'a dit exactement la même chose. Pas de doute qu'un des deux est un imposteur. Parole de chevalier, je ne suis pas un imposteur. Aucune importance, Inoxideux. Allez terrasser le dragon, mais je vous signale qu'il y a à peine 5 minutes, Inoxien était déjà sur le point de le mettre à terre. Vas-y, fais comme on a dit. Tombe, et j'irai dire à Mélodine que je suis plus courageux. Mais si elle découvre que c'est moi, elle saura que j'ai menti. Oh, que c'est compliqué. De toute façon, t'as qu'à tomber. Pour le reste, je verrai plus tard. Oh.
Le dragon a été terrassé! Le dragon a été terrassé! Dragon a été terrassé! Dragon a été terrassé! Dragon, 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 terrassé, terrassé! Peut-être que Riri voulait recommencer sa vie dans un autre royaume? Et peut-être qu'il nous aimait plus. Oh, comment j'ai pu imaginer un plan pareil? Mélodine déteste les chevaliers qui viennent pour terrasser le dragon. Ah! Ah! Je vais te faire regretter de m'avoir imité. Vous, vous arrivez trop tard. Le dragon est vaincu. Alors, fichez le camp. Que moi, je fiche le camp? Ha! Jamais on ne m'a parlé sur ce ton. Jamais! Viens te battre, imposteur! Je te conseille de ne pas bouger pendant que je vais m'occuper de ce dragon! Je vais le terrasser à main nue! Écoute, Mélodine, je vais tout expliquer. Alors tu t'es déguisée? Tu nous as menti? Merci, Juju. On était fous d'inquiétude pour toi. Et pendant ce temps-là, tu faisais semblant d'être un brave chevalier. Ça va être encore plus facile que je le pensais. Je vais te prouver que je suis vraiment courageux. Il faut que tu t'aies, Riri est en danger. Riri, c'est celui-là. Tout ceci n'est qu'une épouvantable méprise, vous comprenez? Je voulais... Oh, ça brûle! Mélodine, j'ai fait tout ça uniquement pour te prouver que moi aussi, j'étais courageux. Alors, où étais-tu passé, bouffon? J'ai une très bonne nouvelle! Le dragon a enfin été terrassé! T'as qu'à regarder toi-même! Alors là, cette fois je vous crois, ça chauffe pour le dragon. Mais quelle violence! Oh! Vous devriez pas regarder, sire. C'est trop horrible, trop horrible.